Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de Top Gaming Dust, c'est parti pour un petit tuto. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment remplacer, comment télécharger un fichier DLL manquant. Donc pour vous montrer où vient l'erreur et comment voilà le réparer. Donc là je vais ouvrir mon application OBS Studio qui me permet justement de faire des vidéos. Et là je vois que malheureusement j'ai une erreur. Il me dit impossible d'exécuter le code car qt5gui.dll est introuvable. Donc nous ce qu'on va faire, on va tout simplement aller sur ce site. Donc voilà, vous avez le site. On va marquer le nom de notre fichier. Donc voilà, je vais prendre le nom qt5 qt hop là t5 gui et on va faire rechercher. Et là, il nous sort déjà la première réponse. On télécharge sur cela. Ensuite, il nous donne un lien pour télécharger. Ce qui est très important, il vous propose différentes versions. Par exemple, là, il vous propose du. Attendez voir. Je suis juste en train de voir le fichier. Donc voilà, 64. Donc là, c'est les dernières versions. Voilà. Et ce qui est important, c'est de toujours choisir la bonne version si vous avez un 32 bytes ou un 64 bytes. Donc moi j'ai un 64 bytes, donc je vais prendre ça. Voilà. C'est en train de se télécharger dans quelques secondes. Là il va faire, ben voilà, il a. Ok. Donc s'il ne télécharge pas, ben voilà, là il s'est fait. Ah, il s'est même fait deux fois. Donc on va ouvrir un autre fichier. Voilà, notre fichier s'est ouvert justement dans les zip. Et là, ce que vous allez juste faire, les gars, c'est très simple. Donc, je vais aller sur hop, le système 32. Donc, le système 32, pour aller là, il faut aller sur votre PC, sur Windows, ouais, donc sur le C, Windows, système 32. Et une fois que vous êtes sur le système 32, vous avez juste à prendre ce fichier qui vous manque et le mettre là. Il vous demande si vous voulez le déplacer en tant qu'administrateur. Vous faites continuer. Et voilà, le tour est joué. Votre fichier est maintenant qui vous manquait. Ben, l'erreur est résolue. Donc, on va rouvrir OBS. Non, pas au bas. OBS. Allez, let's go. Est-ce qu'il fonctionne? Eh oui. Donc voilà, vous voyez que OBS fonctionne à nouveau. Donc voilà, génial. Donc on a réussi à réparer cette erreur. Donc ce fichier qui nous manquait. Donc QT5GUIDLL. Donc voilà les potos, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Encore une fois, voici le lien si jamais pour pouvoir télécharger à nouveau n'importe quel fichier DLL manquant. Donc j'ai essayé, ça marche depuis plusieurs années j'utilise ce site. Donc j'espère qu'il va rester encore longtemps. Donc bonne chance à vous. Si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas dans les commentaires à me les poser. Likez, partagez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, un nouveau live. Ciao ciao.